Alors, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à parler devant vous de la guerre obsidionale à la fin du Moyen-Âge. C'est un sujet qui m'a beaucoup occupé ces derniers temps, puisque j'ai consacré ma thèse de HDR, soutenue en décembre dernier, à la question des villes assiégées. J'ai travaillé sur les 14e et 15e siècles, qui constituent le vrai moment de cette révolution militaire que médiévistes et modernistes ont l'habitude de se disputer. Certains la placent très tard, en plein milieu du XVIe siècle, avec la disparition de la cavalerie lourde, d'autres parfois très tôt, au début du XIVe, avec les premiers engins à poudre qui s'apparentent en fait à des gadgets pyrotechniques. Cette révolution militaire, je la situe pour ma part à la charnière des XIVe et des XVe siècles, au moment où les gros canons se généralisent, au moment surtout où l'on ne conçoit plus de mener un siège sans eux. En ce sens, le XVe siècle, eh bien, le laboratoire ou le premier siècle de l'artillerie à poudre, cette arme que dénonce Rabelais, cette arme diabolique, mais une arme qui est surtout jugée révolutionnaire et décisive. Les vieilles murailles médiévales, trop hautes, trop minces, ne tiennent plus face aux tirs dévastateurs des bombardes. Enfin, c'est du moins l'idée que l'on voit partout répétée ad nauseam. La réalité s'avère autrement plus complexe. À partir des années 1400, la nouvelle arme se perfectionne à toute allure, d'une manière qui stupéfie d'ailleurs même les contemporains, mais elle n'est jamais, à aucun moment, elle n'est une arme décisive ou absolue. Elle joue en outre sur deux tableaux, ce qu'on tend à nous oublier, la force brute qui perce les murailles et la peur abjecte qui tétanise les populations. Alors, pour comprendre ce que signifie cette révolution militaire dans la guerre obsidionale, il faut déjà poser quelques éléments de définition. Quelles sont les règles qui président justement à ce type de guerre? On parle toujours d'un siège qui est mené dans les règles, or on s'aperçoit que ces règles ne sont pratiquement jamais données. Les traités médiévaux, occidentaux se réfèrent tous à Végès, parfois aussi à Frontin, mais demeurent en réalité extrêmement vagues. Globalement, on pourrait dire qu'on prend une place par trahison ou surprise, par négociation, il faut un traité, ou par la force, un assaut. Le siège revêt une dimension qui est technique, comment saper les murailles par le bombardement et les mines, et une dimension psychologique, comment saper le moral des assiégés. Ces règles immémoriales sont toujours d'actualité à la fin du Moyen Âge. Mais l'artillerie à poudre n'en bouleverse pas moins le tableau et je vais essayer de montrer comment. Alors il faut faire d'abord un point sur cette artillerie mécanique héritée de l'Antiquité et qui, à la fin du XIVe siècle, parvient réellement à son apogée. Celle-ci comporte de grands engins à contrepoids simple, qu'on appelle des trébuchets, ou à contrepoids double, et on parle alors de couillard, hein, selon une formule tout à fait poétique. Les textes parlent en général d'engins volants. Hein. L'engin volant, c'est quelque chose qui balance quelque chose dans le ciel. On utilise aussi d'autres types d'engins, également hérités de l'Antiquité, des engins à torsion, qui ressemblent à des arbalètes géantes et qu'on appelle des espringales. Tous ces engins sont clairement supérieurs à leurs lointains ancêtres grecs et romains. J'espère que vous n'allez pas m'assassiner. Et sur la foi des reconstituteurs, que j'apprécie également beaucoup, les trébuchets et les couillards ont une portée utile maximale de 200 à 250 mètres, avec des boulets de 100 à 140 kilos. Les espringales peuvent lancer une sorte de javelot jusqu'à 300 mètres à peu près. On atteint là les limites extrêmes. En réalité, la plupart de ces engins ont une portée qui est inférieure. L'apparition d'une artillerie à poudre au début du XIVe siècle ne remet pas en cause ces engins. Les premiers canons tirent d'ailleurs de grosses flèches. Hein. Vous avez là un manuscrit du début du XIVe siècle, un manuscrit anglais. Vous voyez cette espèce de pot à moutarde hein, sur lequel, qui est placé sur un tréteau et qui envoie une espèce de grosse flèche avec peut-être des matières inflammables hein, dessus et on tire contre une porte. Et comme le miniaturiste a de l'humour, il tire contre une porte ouverte. Hein, c'est un grand sport, ça, la porte ouverte. Alors,
Ces premiers canons sont conçus sur le modèle des espringales, hein, lancés des sortes de gros javelots. Ce ne sont que des armes d'appoint, voire de simples gadgets. Mais elles gagnent peu à peu en puissance et le rapport va s'inverser au cours de la toute première moitié du XVe siècle. Voilà, c'est tout à fait intéressant lorsqu'on dispose de chiffres fiables. En 1406, Jean sans peur, duc de Bourgogne, compte assiéger Calais, anglais, avec 110 canons de divers calibres, dont 5 bombards, donc 5 gros canons, 22 couillards, 3 trébuchets. Le rapport est donc de 1 à 4 en faveur du canon. Hein. Donc en 1406, le canon est déjà majoritaire, mais 25% des armes de jet sont encore des armes mécaniques. 4 ans plus tard, en 1410, Christine de Pisan, qui est l'auteur du premier traité militaire un peu moderne, offre une estimation différente. Elle estime que le siège d'une ville comme Calais nécessite 240 bouches à feu, dont 34 de gros calibre et 8 trébuchets. Alors, à cette date, aucune armée au monde ne pourrait aligner autant de bombardes. Hein. C'est absolument irréaliste. Mais pour Christine de Pisan, le rapport entre l'arme à feu et les trébuchets est passé de 1 à 30. Hein. C'est-à-dire il faut 30 fois plus d'armes à feu. Les trébuchets, dans son esprit, ne constituent plus qu'une arme d'appoint, presque un souvenir. Et alors, si on examine les campagnes des années suivantes, dans les années 1420-1430, on s'aperçoit qu'Henri V d'Angleterre, lorsqu'il fait campagne en France, dispose encore de quelques trébuchets. Il les a dans ses bagages. En 1430, Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, aligne devant Compiègne 35 bouches à feu, 5 grosses bombardes là-dedans, et un couillard. Hein, quand même, il faut avoir encore un couillard avec soi. Après 1450, couillard et espringale disparaissent totalement des arsenaux français et anglais. Il n'y en a plus aucun. Alors, il faut noter que cette évolution est moins rapide dans le sud de l'Europe, notamment en Espagne et en Italie, qui sont des pays très en retard du point de vue technique. Vers 1483, par exemple, Léonard de Vinci propose au duc de Milan de construire de tels engins. Alors, il sait faire des canons, mais ce qui est intéressant, c'est les catapultes et les espringales. Dans Rhodes, assiégé par les Turcs en 1480, un jeune Espagnol fait construire un trébuchet pour, en complément des armes à feu. Ce qui est intéressant, on le voit sur cette miniature, ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'il ait construit un trébuchet, c'est que les défenseurs de Rhodes n'en aient jamais vu. Ils sont tout à fait étonnés de voir cette arme qui leur paraît exotique. Et le dernier trébuchet connu a été construit par un soldat espagnol de Cortés en 1520, alors qu'ils sont assiégés par les Aztèques dans Tenochtitlan. Le soldat dit que, il faut construire ça comme une arme de la dernière chance. Et il construit sur le toit d'une pyramide aztèque un trébuchet qui lance un boulet à la verticale. Le boulet retombe sur l'engin qu'il détruit, provoquant d'ailleurs la colère de Cortés. Mais l'anecdote est intéressante, c'est l'acte officiel de décès pour l'artillerie mécanique en Occident, enfin en Occident, en Amérique, hein, pour le coup. Alors, en quoi consistent ces nouvelles armes à feu qui ont remplacé ces armes mécaniques? Jusqu'à la fin du XIVe siècle, les bouches à feu sont toutes d'assez petit calibre et servent de complément. Elles ne jouent aucun rôle significatif. Mais un premier palier est franchi avec l'apparition d'une bombarde pesant plus d'une tonne. Une des premières occurrences est 1375 pour un siège mineur, Saint-Sauveur-le-Vicomte. Charles V fait construire à Caen un canon d'une tonne. On va parler pour désigner ces engins de gros canons ou de bombardes. Ils lancent des boulets de pierre d'au moins 40 kilos, mais on ne peut pas en tirer vraiment beaucoup de conclusions. Il y a autant de modèles que d'artilleurs. Tous ces engins posent d'énormes problèmes techniques, à la fois dans le dosage et la confection de la poudre noire, dans la fonte des tubes en fer ou en bronze, et dans le choix des projectiles en pierre ou en métal. En ce sens, ce sont toujours des armes expérimentales. Chaque maître artilleur a ses secrets, a ses trucs. Il n'y a aucune standardisation. Mais l'effort des artilleurs à cette époque-là se porte sur le gigantisme. Il faut créer et en fait, il faut vendre ce qu'on appellerait aujourd'hui une arme absolue.
Et ce qui plaît aux princes de cette époque-là, c'est d'avoir le plus gros canon. Hein. Alors, l'un des premiers tubes vraiment géants à avoir fonctionné est la Folmette, Mette la paresseuse, fondue en 1411. L'objet ne nous est plus connu que par des gravures tardives, mais on note à droite la chambre qui est étroite pour la charge de poudre, accolée à une volée, à gauche plus grosse, où on met le boulet. Alors les deux parties sont démontables et l'engin doit être calé dans le sol à l'aide de pièces de bois. Une fois positionné, l'engin, s'il n'a pas explosé, ne bouge plus jusqu'à la fin du siège. Dans cette lignée, nous avons des engins qui deviennent parfois monstrueux. Exemple, la Dulgrith, qui existe toujours à Gand, hein, qui a été posée au XVIIIe siècle sur un socle de pierre et qui est toujours là. Et dans un moment d'égarement, les Gantois l'ont peint en rouge, mais je ne sais pas pourquoi. Ou Mons Meg, qui fait la gloire du château d'Édimbourg actuel, mais qui est une bombarde bourguignonne à l'origine. C'est un cadeau que le duc de Bourgogne fait au roi d'Écosse. Ils ont eu un mal de chien à l'envoyer jusqu'à Édimbourg. Elle n'a plus bougé ensuite. Ces bombardes pèsent jusqu'à 13 tonnes avec des boulets de 300 kilos. Vous avez également un canon turc. Les plus gros, c'est les canons turcs. 1464, le canon des Dardanelles, qui fait 17 tonnes. Alors, ces pièces sont absolument exceptionnelles. Car il faut, je passe même pas sur la question de la construction, mais il faut des dizaines de chevaux pour les transporter, jusqu'à 300 chevaux. Les grosses bombardes, celles que l'on peut utiliser quand même un peu plus facilement, n'excèdent pas. Nom de baptême. Alors, un nom de femme, un nom terrifiant, un nom d'animal. Hein, donc, vous avez Margot ou la terrifiante, la tonnante, le lion, le monstre, le chien, enfin, tout ce que vous voulez. Alors, ces armes sont particulièrement impressionnantes dans les armées bourguignonnes et dans les armées ottomanes qui se spécialisent dans la fonte de bombardes géantes. Alors, il faut noter que les villes également achètent et fondent, elle confie ça à des fondeurs de cloches, hein, des bombardes géantes protectrices, symboles de la ville. Lors du siège anglais de 1428, les Orléanais fondirent deux bombardes géantes de 3 à 4 tonnes chacune, nommées le Chien et la Bergère, et chargées de défendre le troupeau des Orléanais face aux loups anglais. Reste à savoir ce que l'on espère faire vraiment avec de telles bombardes, et ce que l'on faisait réellement d'ailleurs. Les chroniqueurs qui en parlent ont toujours tendance à exagérer l'impact du bombardement, dans un but apologétique, regardez nos belles bombardes, ou par simple ignorance. Alors il faut poser quand même des questions très concrètes, de type plutôt archéologique en fait, sur la portée utile de telles armes. Alors je donnerai quelques exemples isolés. Au siège de Ham en 1411, les artilleurs flamands avaient une bombarde de 5 tonnes. Et il réussit à envoyer un boulet de 80 kilos au-dessus de la cité. Alors c'est un cas extraordinaire. À moins de 300 mètres des remparts, ils ont réussi à les rater. Hein. C'est mieux que l'éléphant dans le couloir. Mais il est probablement cette bombarde était mal calée sur le sol. Donc au moment du tir, elle a bougé et elle a pour résultat cet incroyable tir parabolique 700 mètres au-dessus d'une ville. En 1479, les Parisiens fondent une bombarde géante qui est placée devant la Bastille et qui tire un boulet de 200 kilos jusque sur le pont de Charenton, à 4 km de là. Alors c'est une performance tout à fait impressionnante, mais l'engin va exploser au second tir, en tuant au passage l'artilleur et une quinzaine de badauds, hein, ces fameux badauds parisiens, qui étaient venus voir. L'accident résulte, lui, probablement d'un surdosage de poudre. Il certes propulse un boulet vraiment très loin, mais fragilise tellement la chambre qu'elle fait exploser l'arme au deuxième coup. Et on a souvent des cas d'ailleurs d'armes qui explosent au premier tir. Alors, la question essentielle qui demeure, c'est celle de la portée utile d'un canon, c'est-à-dire à quelle distance opère-t-il un tir à peu près sûr, précis, régulier et efficace? Voilà, il faut prendre des exemples de sièges bien documentés.
pour servir le propos. En premier lieu, le fameux siège d'Orléans, celui de Jeanne d'Arc, 1428-1429, où les deux camps alignent une solide artillerie. Après avoir un peu tâtonné, les Anglais, vous voyez là un plan du siège d'Orléans, les Anglais établissent leur bastille dans un rayon de 700 mètres autour des murailles, hors de portée de l'artillerie urbaine. Là, ils sont tranquilles, les gens de la ville ne peuvent pas leur tirer dessus, donc ils peuvent prendre leur thé tranquillement dans les bastilles. Seul problème, c'est que les canons anglais qui sont installés dans les bastilles sont également hors de portée des murailles d'Orléans. Durant les opérations, le seul duel d'artillerie a lieu au-dessus du pont de la Loire, c'est-à-dire à peu près 400 mètres de long. La bergère d'Orléans est d'ailleurs positionnée à l'entrée du pont et les canons anglais sont sur les tourelles de l'autre côté du pont. Bref, on peut en déduire que la portée utile des pièces utilisées à Orléans, d'un côté comme de l'autre, ne dépasse pas 300 à 400 mètres. Et elles ne servirent finalement qu'aux assiégés qui purent maintenir ainsi à distance les agresseurs. En 1466, pour assiéger Dinan, les Bourguignons installent leur batterie dans le faubourg septentrional, au niveau de l'abbaye de Leffe, hein, c'est intéressant pour la bière, à environ 300 mètres des murailles. Et là, elles sont efficaces. Le siège de Rhodes par les Turcs en 1480 nous donne également des données chiffrées. Les assiégeants alignent une vingtaine de pièces, dont une douzaine de très gros calibres. La première batterie est installée à droite hein, sur le plan, sur le môle d'Acandia, et tire sur la tour des moulins, le môle des moulins. Je sais pas, non, voilà, ils sont là et ils tirent là. C'est à peu près à 200 mètres. Donc, ils détruisent tous les moulins hein, qui sont sur cet endroit. Sur 318 coups comptés par les défenseurs, 242 auraient touché une cible, soit 76% de réussite, c'est pas trop mal. D'autres canons sont positionnés là et tirent sur la tour Saint-Nicolas, également à 200-300 mètres. En revanche, pour tirer sur la muraille au sud-est, les Turcs se heurtent à une forte résistance et il y a beaucoup de canons du côté rhodien. Du coup, ils installent leur première batterie à 600 mètres. Ils lancent des canons, ils arrivent à atteindre les murailles à 600 mètres, mais sans résultat. C'est-à-dire que les boulets arrivent de manière trop faible pour causer du dommage. Et il leur faut plus d'un mois d'effort, presque 2 mois en fait, pour installer les nouvelles batteries en face de la muraille, à ce niveau-là, à peu près 200 mètres. Et là, elles sont efficaces. Bref, on peut dire qu'en 1480, comme en 1410, la portée des grosses pièces n'a pas beaucoup évolué. La portée générale, oui, c'est-à-dire que des canons peuvent tirer à 600 mètres, mais la portée utile reste toujours de 2 à 300 mètres. Si on veut que ces canons servent à quelque chose, il faut être dans l'immédiate proximité des murailles, c'est-à-dire que la portée utile n'est pas bien supérieure à celle des couillards. Autre question qui se pose, c'est celle de la cadence. Tout au long du XVe siècle, les grosses bombardes ne semblent pas avoir été capables de tirer plus d'un coup à l'heure, pas plus d'une dizaine par jour, parce qu'il faut du temps pour charger la pièce et puis pour la laisser refroidir. Les pièces sont brûlantes, c'est-à-dire que si on remet une charge de poudre, eh bien la poudre explose. Cette lenteur explique qu'on continue à tirer pendant la nuit. On ne peut pas s'arrêter parce que sinon on n'atteint même pas une dizaine de coups. La tactique du tir continu entraîne un important coefficient d'usure des pièces et cela explique que de nombreuses pièces finissent par exploser entièrement ou partiellement, c'est-à-dire que la chambre se fissure et les artilleurs ne sont pas mauvais pour les réparer. On cercle la pièce, donc on a des pièces mal foutues, cerclées de fer, qui continuent à tirer, mais avec une cadence vraiment bien inférieure. Hein. C'est-à-dire qu'on passe d'une dizaine de coups par jour à 2 ou 3, en espérant que ça marche. C'est seulement au tournant des 15e et 16e siècles que les canonniers français arrivent à augmenter significativement cette cadence. Lors des guerres d'Italie, les grosses pièces tirent apparemment sans problème 30 à 40 coups par jour. C'est l'époque aussi où se généralise le boulet métallique en fonte, nettement plus destructeur.
Alors, je n'entre pas dans le détail parce que le format ne s'y prête pas et que je n'ai pas le temps, mais il y a d'autres formes de projectiles incendiaires qui sont expérimentées à cette époque-là. Alors, d'autres formes de projectiles, par exemple les fusées, hein, mais les fusées qui sont, vous les voyez là, des sortes de carreaux d'arbalète avec une charge incendiaire dessus que l'on projette sur les villes. Vous avez des gaz de combat. À partir de 1480, on envoie des projectiles, probablement à base de soufre, qui dégagent une énorme fumée asphyxiante. Vous avez des armes bactériologiques avec de bombardements de charognes, notamment de cadavres d'animaux ou d'hommes, destinés à empoisonner l'air, les réserves et les réserves d'eau. Alors, tout cela est anecdotique parce que, on n'a pas les moyens techniques au XVe siècle de le faire, mais ce qui est intéressant, c'est que bien avant le XIXe siècle, on a cherché de nouvelles formes de bombardement. Mais sans effet, hein. Du coup, ça n'aura pas vraiment de lendemain immédiatement. Alors, ces quelques données permettent de s'interroger sur la place de l'artillerie dans les techniques obsidionales. Le premier objectif d'une armée de siège est de bloquer la place assiégée, le modèle d'Alésia. C'est ce modèle césarien que reprend à son compte d'abord Édouard III au siège de Calais en 1347, ou Henri V au début du XVe siècle, qui assiège Harfleur et Rouen. Et c'est surtout le cas de Rouen qui est intéressant. Il ceinture la ville de Caen pour en faire un blocus rigoureux. Il ne tire d'ailleurs pas un seul coup de canon à Rouen, mais il fait des lignes de circonvallation et de contrevallation, exactement comme à Alésia. Il faut bien dire que c'est le seul cas que j'ai trouvé pour la fin du Moyen Âge. C'est vraiment tactiquement la reprise d'un schéma antique que l'on ne trouve plus ensuite parce qu'on n'en a pas les moyens. À Orléans, par exemple, Orléans qui n'est pas un siège d'artillerie, hein, j'ai essayé de le montrer. Les Anglais établissent une série de bastilles hein, pour essayer de bloquer la ville. Seulement, ils sont tellement sous-doués qu'ils ne font des bastilles qu'au sud et à l'ouest de la ville, ce qui fait que le ravitaillement ou les troupes entrent sans aucune difficulté à l'est. Hein. On a, durant toute la durée du siège, même des troupeaux de cochons qui rentrent dans la ville sans avoir été bloqués nulle part. Comme le cochon n'est pas un animal de course, on voit bien que le blocus d'Orléans est vraiment déficient. Les Bourguignons essayent de faire la même chose à Compiègne. Ils établissent des bastilles, mais en nombre insuffisant, ils sont battus de la même façon. En 1442, les Anglais, qui en ont marre de faire des bastilles tout autour d'une ville sans y arriver, ont l'idée de faire une bastille économique à Dieppe, c'est-à-dire ils n'en font qu'une pour bloquer la ville, ce qui ne la bloque pas du tout. Et le vieux Talbot, qui a mis toute son armée dans une seule bastille, se retrouve assiégé. Hein, donc, et à chaque fois, les canons n'ont servi à rien. Les canons que l'on met dans ces bastilles ne servent qu'à défendre la bastille. Ils sont dans un rôle purement défensif. Alors, on peut parler dans tous ces cas-là de sièges statiques, qui supposent en fait qu'on ait du temps et des moyens et que l'assiégé ne reçoive aucun secours. À l'époque d'Henri V, dans une France qui est déchirée par la guerre civile, c'est une tactique qui peut fonctionner parce qu'on n'a jamais les moyens d'envoyer des secours aux assiégés. Mais par la suite, ça ne fonctionne plus du tout. Et c'est pour ça que je vais surtout parler du siège actif, c'est-à-dire d'un siège où l'on procède par approche. Ces travaux de terrassement sont considérables et il faut faire des tranchées. Là, vous avez une miniature du siège de Rhodes où on voit les mineurs turcs qui font des tranchées d'approche. Alors, le miniaturiste n'est pas très doué et on a l'impression que c'est une tranchée parallèle à la ville. En réalité, ce sont des tranchées qui vont vers la ville, donc perpendiculaires. Il s'agit de creuser des tranchées, souvent qualifiées de mines ou de fossés, pour aller jusqu'au fossé de la ville à couvert. Au fur et à mesure de la progression, on installe des petits postes en terre et en bois que l'on appelle en général des taudis. À l'abri de ces taudis, les arbalétriers, les canonniers légers harcèlent le haut des remparts, désorganisent la défense. À partir de ces postes avancés, qui sont situés idéalement un peu en avant des fossés, parfois même dans les fossés, les agresseurs peuvent positionner leurs grosses pièces d'artillerie, dans ce cas pour un tir
à Brèche, ou pour lancer des mines souterraines destinées à saper la muraille. Les deux techniques sont souvent complémentaires. Alors, un mot sur la mine, c'est une technique antique parfaitement bien documentée, je pense notamment aux fouilles de Dora-Europos, qui nécessite des équipes spécialisées. L'objectif consiste à creuser sous les fortifications, à étayer la galerie par des poteaux auxquels on finit par mettre le feu, et au XVe siècle, quelques tonnelées de poudre permettent de parachever le feu d'artifice. Alors, ce n'est pas facile. À Harfleur, par exemple, les Anglais ont l'idée de creuser dans la boue, donc les mines sont inondées. À Rhodes, les Turcs se heurtent à la roche, donc ils vont pas très loin. Mais en outre, même quand la mine est bien faite, les défenseurs guettent les vibrations souterraines et creusent des contre-mines pour détruire ces mines. Alors, ils jettent en général des matières enflammées, ils essayent d'asphyxier ou d'ébouler la mine. Christine de Pisan conseille également de jeter des bassines d'urine dans la mine adverse, hein, ce qui est pour l'odeur sans doute. Alors, il faut préciser que les tours d'assaut, si populaires au cinéma et dans la bande dessinée, ont entièrement disparu. Elles sont lentes et lourdes. Elles constituent des cibles de choix pour les canons qui peuvent leur tirer dessus à bout portant. Alors, il y a bien quelques stratèges en herbe encore au XVe siècle, comme Henri V d'Angleterre en Normandie ou Charles le Téméraire dans les années 1470, qui ont lu Végès et qui croient que, on ne peut pas faire mieux que l'Antiquité. Ils cherchent donc encore sporadiquement à construire des beffrois mobiles, mais ça fait rigoler tout le monde. Et ces grosses structures sont réduites en allumettes suédoises par l'artillerie des défenseurs. L'enjeu de ces travaux d'approche, c'est surtout d'amener à portée utile les grosses pièces d'artillerie. On les protège alors par de lourds manteaux de bois ou par des gabions, c'est-à-dire des paniers remplis de terre. Il s'agit de tirer à bout portant, de tirer à brèche pour faciliter l'assaut. Alors, je vous ai mis là des représentations de l'artillerie turque à Rhodes, où l'on voit ces énormes structures de madriers derrière lesquelles se cachent artilleurs et pièces d'artillerie. Dès que la pièce a tiré, on replie le mantelet parce qu'ils sont en fait eux aussi à portée de tir de l'artillerie des défenseurs. Ça pose des problèmes, cette technique, elle est super, mais elle pose quand même d'énormes problèmes. Il faut amener ces canons très lourds, il faut amener ces mantelets très lourds sur un terrain découvert, le glacis qu'il y a en avant de toute place. Alors, on essaye d'améliorer la technique et dans les années 1440-1460, les ingénieurs français mettent au point une autre forme d'approche, beaucoup plus dynamique, avec des pièces d'artillerie qui sont lourdes mais pas géantes. Des groupes d'arbalétriers, de couleuvriniers s'approchent des murs à l'aide de taudis mobiles, hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire des trucs montés sur roues que l'on approche. Alors, on court, on pousse ça, hop, on installe aussitôt couleuvriniers et arquebusiers, enfin pas arquebusiers au 15e, arbalétriers derrière. Et on essaye de tirer à saturation sur la muraille et les créneaux pour aveugler la défense, ce qui permet aux pionniers de creuser plus rapidement des tranchées, des abris de terre et de positionner dans la foulée des grosses pièces d'artillerie. L'idée est de faire ça en quelques jours et non pas en 2 mois. Alors, c'est avec cette tactique que Charles VII reconquiert la Normandie en moins d'un an, hein, en 1450-1451. Cette tactique est encore améliorée sous Louis XI, qui développe des bandes d'artillerie très mobiles, et les canons sont cette fois-ci posés sur roues et peuvent être positionnés à portée utile de la muraille en moins de 2 jours. Et l'objectif, c'est de faire brèche en 8 jours. On emporte 100 à 200 projectiles par pièce, c'est-à-dire de quoi tirer de 8 à 10 jours, pas plus. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, si on n'a pas réussi à faire brèche, eh ben on plie bagage, on ne se lance pas dans un siège long. Et c'est ce que fait l'armée française dans les années 1470 ou dans les guerres de Bretagne en 1488. Tous les sièges français en Bretagne ont lieu, sont réussis en fait en moins de 8 jours, hein, ce qui est tout à fait impressionnant. 1495, pareil dans le royaume de Naples. Alors le tir à brèche permet en général de lancer un assaut général sur les murailles éboulées, un assaut irrésistible, mais qui est toujours coûteux en vie humaine, ce qui fait qu'en fait la brèche permet surtout d'ouvrir les négociations. Alors j'aimerais aborder un dernier point,
qui est la contrainte psychologique. La population assiégée vit par définition dans une angoisse permanente, alimentée par des fantasmes, hein, reliés par la littérature depuis la guerre de Troie. L'emploi massif de l'artillerie à poudre amplifie clairement cette terreur générale, et les théoriciens du Moyen Âge en ont conscience. On peut parler en effet de bombardement de terreur. En 1412, par exemple, les habitants de Dun-le-Roi seraient horrifiés par les bombardes géantes bourguignonnes. Le bruit de l'explosion s'entendait à 4 000 et jetait l'effroi dans le voisinage, comme si c'eût été un bruit venu de l'enfer. À Harfleur, les chroniqueurs notent l'horreur, le deuil et le désespoir des habitants. Pour le siège de Falaise, on parle du vomissement de soufre, du vacarme très rauque des bombardes, du sommeil enfui des défenseurs. En fait, il y a une description apocalyptique. Mais les artilleurs expérimentent aussi le tir parabolique, destiné à bombarder l'intérieur d'une place, donc sans aucune nécessité tactique. Dès les premiers jours du siège d'Orléans, les Anglais utilisent ainsi un gros canon qui réussit à envoyer quelques boulets au-delà de la muraille, faisant très peur aux assiégés. Mais à partir de 1450, vous avez de véritables mortiers de siège qu'on appelle des courtauds et qui sont conçus comme des armes de destruction massive. Jean Bureau, maître de l'artillerie, explique qu'on va raser Bordeaux avec des mortiers. Alors évidemment, il s'agit de simples rodomontades. Techniquement, c'est absolument impossible. Mais ces boulets qui sporadiquement tombent du ciel affolent les populations, puisqu'elles ne sont plus à l'abri relatif du rempart. En 1466, on entend le hurlement des femmes et des enfants de Dinan qui voient tomber les boulets de pierre. Au siège de Nancy par les Bourguignons en 1476, le bombardement bourguignon fait faire des fausses couches aux femmes enceintes. À Rhodes, un témoin note que lorsque les bombardes ottomanes lancent des boulets, le bruit de la pierre produit un bruit énorme qui résonne à la manière du tonnerre. Le vent porte dans les airs une fumée qui rassemble un nuage épais. Et la terreur est si grande dans le peuple que, sans le confort de Dieu, tout le peuple aurait perdu l'entendement et aurait rendu la cité aux ennemis pour en faire leur volonté. Ce qui confirme bien l'aspect totalement psychologique de ces armes. Alors, la déflagration de ces grosses pièces est assourdissante. Il s'agit d'un bruit très particulier, à la fois répétitif et irrégulier. Plus une bombarde est grosse, plus son tir est lent. Et elle tire, je vous l'ai dit, une dizaine de coups par jour, mais jamais selon un rythme ou une cadence. Il faut la faire refroidir. Plus elle tire, plus il faut la faire refroidir. Donc, il n'y a aucun rythme, aucune cadence, et on continue à faire feu pendant la nuit. Alors, l'avantage, c'est qu'on maintient les assiégés dans la terreur, dans l'absence de sommeil. L'inconvénient, c'est que ça empêche de dormir tout le monde, c'est-à-dire que les assiégeants comme les assiégés ne dorment plus la nuit, ce qui fait qu'au bout de 15 jours, ils commencent à devenir un peu zinzin. Alors, du côté des assiégés, on fait la même chose. Et par exemple, le siège de Paris en 1465, un ambassadeur explique que les bombardes de part et d'autre ne font que tirer la nuit et le jour. On n'entend rien d'autre, on ne dort plus. Obsédés par ces tirs, les assiégés ne comptent plus les moutons pour s'endormir, mais les boulets. Et ce qui fait qu'on a, à la fin des sièges, souvent des récits avec le nombre de coups de canon qui a été tiré pendant le siège, parfois jour par jour. On a des listes tout à fait ubuesques. Alors, dans l'angoisse générale, tout le monde se tourne vers le ciel, à la fois pour voir arriver les boulets et dans l'attente d'un signe miraculeux. Les premiers miracles attestés concernent toujours la chute de ces boulets de mortier. Parce que ces boulets semblent écraser les bâtiments, mais en épargnant les hommes. Alors, il n'y a rien de très étonnant, hein. Un boulet de pierre, il tombe, il fait du dégât sur 1 mètre carré au maximum. Donc, on peut les voir tomber à ses pieds. On a ça à Orléans, où on note que durant tout le siège, ces boulets n'ont tué que 6 ou 7 personnes. Et on dit que c'est un miracle fait par Saint-Aignan, patron d'Orléans. En 1472, à Beauvais, un boulet tombe sur la cathédrale au milieu des chanoines et n'en blesse aucun. Implicitement, les fidèles semblent estimer que les saintes figures présentes au ciel se trouvent particulièrement bien placées pour voir passer les boulets et détourner leur course. Et du coup, ces boulets inoffensifs sont recueillis par les défenseurs et considérés comme miraculeux, sont souvent conservés
En manière d'ex-voto. Alors, j'en ai quelques exemples. Hein. À gauche, vous avez les boulets du siège de Dijon, 1513, conservés dans l'église dont ils ont crevé le toit. À Nice, 1543, il y a un boulet qui est tombé dans la rue. Ben, on a eu l'idée de l'accrocher dans la rue où il est toujours, hein, un peu rouillé, un boulet turc du siège de 1543. À Beauvais, on a resculpté la chaire des chanoines détruites avec l'image du boulet. Et dans la verrière de la cathédrale, on a mis un rond bleu qui indique exactement l'endroit où le boulet est passé en ne tuant personne. Hein, je vous dirais simplement, parce que je pense que j'ai fini mon temps, que les sièges d'artillerie à la fin du Moyen-Âge combinent ainsi des éléments en apparence peu compatibles. D'un côté, on assiste à une véritable course aux armements, à une évolution accélérée des armes à feu et des défenses urbaines. Et de l'autre, ces bombardements qui représentent la quintessence de la modernité développe toute une série de phénomènes et de comportements irrationnels qui pour nous seraient singulièrement archaïques. L'artillerie de siège, avec sa démesure, ses flammes, sa fumée, son vacarme, apparaît tout autant comme l'arme de l'avenir que comme une arme infernale, catalyseur de toutes les terreurs issues de la nuit des temps. Je vous remercie de votre attention.